tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel nail art. Alors, ce nail art, il ne va pas être fait par n'importe qui, mais par la talentueuse Tarte aux Fraises. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Tarte aux Fraises, Tarte aux Fraises, en fait, est une youtubeuse qui fait des tutoriels sur Internet, comme moi, mais uniquement basés sur les ongles. Alors, moi, je suis vraiment admirative de son travail. J'ai hâte vraiment qu'elle me fasse mes ongles. Alors, je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite regarder. C'est parti. Salut, Ophélie. Salut, Amy. Ça va? Oui, ça va, et toi? Alors écoute, je suis super contente de t'avoir sur ma chaîne et j'ai une petite question, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à mes ongles? Donc aujourd'hui je vais faire une petite manucure avec un nail art, donc d'accord. Je vais te faire un nail art super fleuri. Chouette. Avec la technique de one stroke à la peinture. C'est quoi que tu appliques Ophélie? Donc là c'est une pré-base en fait, c'est pour enlever si jamais il y a des restes d'eau ou de graisse sur les ongles. D'accord, donc c'est important quand par exemple on a des problèmes de tenue de vernis, avec ça en fait qui va réguler le pH de l'ongle, ben, le vernis va mieux tenir, ça évite les décollements. Donc là ben, je t'applique la base, hein. D'accord. Toujours mettre une base quand on fait les ongles. Et du coup ça t'est venu comment la passion des ongles comme ça? En regardant, t'as des... Non, pas du tout, je savais pas que ça existait en fait. D'accord. Le nail art quand j'ai commencé en cours de maths. Tout seul. Je ramenais mes pinceaux, mes vernis. J'ai commencé vraiment par hasard et c'est que au moins 6 mois après, j'ai découvert qu'il y avait du nail art, que ça existait, d'accord. Qu'il y avait d'autres filles qui faisaient ça aussi. Parce que je savais pas du tout. Et donc là, j'applique la couleur. Elle est belle, c'est la couleur Tristam. C'est quoi la marque? C'est A England. D'accord. Oh, j'ai un très mauvais accent anglais. Oh là, moi, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Donc là j'ai pris du blanc et du rouge, comme j'avais pas de rose clair, donc je suis en train de le fabriquer. Et c'est quoi comme peinture? C'est de la peinture acrylique normale en fait. Donc on peut prendre n'importe quelle. Oui mais il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas. Donc ensuite je prends mon pinceau carré pour faire le one stroke. Je le trempe dans l'eau. Je l'essuie sur le papier. Et donc, je vais tremper. Moitié dans le blanc. Moitié dans le rose. Et je dégrade. Donc ensuite, je vais former une fleur à 4 pétales. En fait, tu passes plusieurs couches, quoi, 2-3 fois. Oui, parce que là, on est sur base foncée, donc... Ouais, il faut que ça... Voilà, normalement, 2 couches, ça suffit, mais là, il en faut un peu plus. Donc là, j'ai pris un pinceau de détail tout fin et de la peinture blanche pour faire les contours de la fleur et accentuer les détails. Donc là, je vais faire le décor qu'il y a autour, donc des petites gouttes, toujours avec le même pinceau. Donc là, en fait, tu fais un quadrillage tout fin, c'est ça? Oui. Donc là, en fait, tu fais des petits points, c'est ça? Oui, je rajoute des points dans le quadrillage. D'accord. Donc, l'étape des points, je pense que je peux la faire. Merci beaucoup, ça devrait aller. Le plus facile. Donc là, je prends du top coat. J'en pose au cœur de la fleur. Okay. Je prends le petit pinceau éventail, comme en maquillage. Je prends des paillettes et je les saupoudre dedans. Mais c'est super beau! Je sais pas si on voit bien comment ça brille, mais... Et c'est des paillettes spéciales pour les ongles ou tu peux utiliser... Non, on peut prendre, il y en a plein qui prennent les paillettes de make-up parce que justement elles sont très fines en fait. D'accord. Ensuite, on les aplatit pour bien que ça colle. Et après on balaye pour enlever tout ce qui n'a pas collé. Donc là, je reprends mon top coat. Je pose une goutte au milieu de la fleur pour pouvoir coller le strass.
Voilà, donc là c'est fini. Il reste plus qu'à poser la couche de finition de top coat. Donc ton top coat, c'est un nylon gel, c'est ça? Oui, c'est un top coat que j'aime bien. Après, il y a plein d'autres marques que j'aime beaucoup. Oui. Et tes produits en général, tu les achètes sur quel site? Sur Adnail, il y a quasiment tout ce que j'aime. Après, il y a d'autres sites. D'accord. Mais j'achète rien en boutique en France, quoi. Ouais, c'est à part chez Adnail, puisqu'elle a une boutique dans le 91, mais D'accord. Sinon... Et ça a une bonne tenue en général? Ça tient combien de temps à peu près? Bah, sur moi, ça dure entre une semaine et 15 jours, mais parce que j'ai les ongles longs et durs, D'accord. en fait. Après, quand là, mon vernis, je l'ai fait, ce que j'ai en ce moment, je l'ai fait il y a 2 jours, il commence à être abîmé, parce que j'ai fait 3 tonnes de cuisine et de sel. D'accord. Donc voilà, mais c'est après... Parce que tu comprends que j'aimerais bien garder ça à vie, donc... Mais après, ça dépend. J'ai vu tout à l'heure, quand je t'ai limé des ongles, ils étaient assez mous. Ouais. Donc là, je sais pas, tu vois. Je sais pas comment ça va tenir. Ça dépend pas du vernis, en fait. Ça dépend... La texture de l'ongle. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts, tu vois. Par exemple, moi, je les abîme pas, parce que comme ils sont longs, je me les choque jamais. J'ai des gestes très différents, en fait. Ouais, tu fais attention. Voilà. Après, souvent, les filles aux ongles courts, elles font pas attention. Elles attrapent les objets avec leurs ongles, elles arrachent les étiquettes avec leurs ongles. C'est ça. Voilà, donc là, bah, le vernis tiendra pas, ça c'est sûr. Bon, bah alors on va faire attention. Ou quand on a souvent les mains dans l'eau et qu'on met pas de gants, par exemple. Donc là, tu vas pencher tes ongles légèrement en avant. D'accord. Donc ça, c'est la goutte qui fait sécher le vernis ultra vite. L'effet, c'est vraiment juste pour que le vernis sèche plus vite. Oui, et surtout qu'il n'y ait rien qui se colle dessus, en fait. D'accord, j'aime. Parce que ça peut vite faire rater une manucure, un poil de chat ou un cheveu. Ouais. Donc, Et c'est quoi ton produit? C'est le dry ice. Le dry ice. Ouais. Et un petit peu d'huile à cuticule. Bon, ça, c'est la finition. Comme au début, je t'ai mis le produit, la pré-base, là. Oui. Donc ça assèche un petit peu puisque c'est à base d'alcool. D'accord. Donc, toujours hydrater les cuticules après. Et voilà, c'est fini. Ah, merci beaucoup Ophélie, c'est magnifique. De toute façon, on voit bien la caméra. Le nail art est maintenant terminé, alors j'espère qu'il vous a plu. Alors je vais vous faire un dernier zoom. Donc comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Enfin moi je suis totalement fan, et puis ce qui est bien, c'est que on a choisi avec Tarte aux Fraises de faire un nail art plutôt floral pour l'arrivée des beaux jours, pour l'arrivée du printemps. Et ça s'appelle un one stroke, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un one stroke floral pour les beaux jours. Bon, et bien n'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout à me dire ce que vous avez pensé de cela. Quoi d'autre avant de terminer, si vous avez envie de voir encore plus de nail art, découvrir tout le travail que fait Tarte aux Fraises, parce qu'il est franchement formidable, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous rendre sur la chaîne de Tarte aux Fraises et de voir toutes ces créations, parce que franchement elles sont diverses et variées, mais elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Donc je suis super contente, je vais pouvoir aller frimer avec mon nail art. Bon bah écoutez, je vous fais des bisous à tous, je vous dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.